Du coup, on va sur qui? Allez, au pif. Sogrin. On va renouveler l'opérateur. Tu rentres avec moi ou pas, Zofia? T'as Merrick qui fait plein de kills, quoi. Là, il a entendu un Maverick derrière lui. Mais voilà, putain, Sograna, temps de réaction, 8 ans quoi. Moi j'ai vu Maverick apparaître en haut. Bouge pas, bouge pas, prends le plus petit angle possible, il est trop grand ton angle. Voilà, et attends-le, il va forcément se remontrer, c'est toujours pareil. Hein, Maverick. Ouais, ou comme ça. Ça, un bon coup de chevrotine dans, au niveau des prémoleurs, ça, ça picote un peu. Il en dit des. Aquarium, j'allais à le bar. Ouais. Les gars, jouer à Maverick, c'est pas difficile contre un Maverick, quoi. Hein. Oh, bien joué, Mary. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Vous pouvez noter sur Grana. Putain, regardez, ayez toujours conscience de votre environnement. À quoi correspond ce bruit? Chaque bruit dans Rainbow Six est spécifique. J'ai entendu là-bas, c'est un glace qui vient de tirer. Ok, ça veut dire que si le mec il smoke, ça va être problématique. J'ai vu que derrière moi, il y a un mec qui vient de mourir. Enfin, j'ai vu qu'un de mes potes venait de mourir. Quand un de tes potes qui meurt, premier truc que tu fais un scan. Tu scans autour de toi pour voir où est-ce qu'il est. D'accord? Où est son cadavre? Son cadavre va te donner à peu près l'histoire qu'il y a eu derrière sa mort, en fait. Et ça va te dire, il est mort à cet endroit-là, ça veut dire que, ok, il a dû pique ici, ou il a dû faire ça, ou il a dû faire ça. Là, le mec, il est mort sur le bomb site, ok? Mort sur le bomb site, Maverick, tout de suite, moi, je savais que le Maverick, c'était Merrick, il était monté à l'escalier, et qu'il avait fait un trou d'air, et là, il fallait se retourner instantanément. Même si on n'a pas vraiment entendu le bruit de la torche. Donc là... Moi, je mets 3. Vous avez mis 2, moi, je mets 3. Pas très sympa, effectivement, on va voir s'ils peuvent mieux faire, mais là c'était pas ouf. Mignon les mecs. Eh ouais, ça avait pushé bien sûr derrière. Ouais, c'est propre ce qu'il fait MXTH là. Ok, sympathique, claim sur la cam. On peut pas trop noter ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est le problème du Teachers, hein. C'est assez limité sur les capacités de chacun à clutcher. Tiens, je prends ça, et je veux le replay de lui, avec le replay de lui, avec le replay de lui. T'as tous les kills. C'est comme un Boom TV, c'est comme le Boom TV que vous connaissez de la Salty Academy. C'est énorme. Termine derrière la bombe. Termine la bombe, termine la blanche. Prends tes échos gros. Les trois là. C'est bien joué, Thatcher derrière. Couvre ton pote. Bah ouais. Ouais, 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 la moins 4, ouais, la moins 4 de MXTH. Un peu lent sur la couverture. Bon, c'est pas du aim de ouf, mais c'est efficace. Et puis on prend du Thatcher. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ace. Vous avez décidé de mettre 8? J'ai décidé de mettre 7. T'es dur? Ouais, 7. Frère, pour un Ace. Ouais, c'est clair. J'aurais peut-être pu mettre 8. Putain, j'ai le ping. Il est passé sur tilt. Il est dans la salle de bain. Swapping! Ça devient plus, je crois. Ouais, ouais. Ça devient plus, je crois. Attends, je rentre. Il y en a un juste là, là. Allez, Thatcher, merci. Mais non, j'ai plus de balles là. Mais c'est quoi ce rechargement qui se fait pas? Oh, ça a l'air propre. C'est propre ça, c'est propre ce qui vient de coller. Pas simple avec un ACOG à bout portant avec une caméra qui tourne dans tous les sens. Les dégâts sont propres. On voit que c'est un bon joueur. On voit qu'il y a du niveau quand même. Eh, c'est précis et rapide, hein, c'est... Putain, on dit... Franchement, c'est d'une rapidité sur les décalages, c'est hallucinant. C'est plus rapide que moi. On dirait... Burka aussi, c'était impressionnant. Le pressure était au bon endroit, hein. Si le mec avait laissé sa tête, c'était une tête. Hein. Décalage allongé, j'adore ça. C'est propre, c'est extrêmement propre. Non, non, là c'est. C'est quoi comme level là? On tape dans le diamant, non? Bon, peut-être pas diamant, mais très proche. Après, faut voir le brain, mais bon. Au niveau des décals, là on est dans le. Tu le vois tout de suite, quoi. Bon, il va pas y avoir grand chose. On a encore MXT qui est en clutch. Donc,
On va laisser ça. Oh, dommage. Dommage, mais on va pouvoir gérer le Thatcher. Rien d'exceptionnel en tant que tel, mais les placements sont bons. Tu sens, c'est vif, c'est précis, et c'est même plus précis sur la plus rapide que moi. Parfois, ça me rend jaloux ce genre de truc-là. Vraiment, ça me rend jaloux, mais d'une force. Vous imaginez pas. Je me suis toujours dit qu'en fait, je pense que les meilleurs joueurs au monde sont en palme, en clos, en cloud. Tu vois, tiennent leur souris comme ça. Là. Non, vous voyez pas. Ok, merde. Tiennent leur souris comme ça. Ok, comme ça. Comme ça. Et moi je la tiens comme ça. Et j'appuie en fait non pas avec les bouts des index, avec le bout des doigts, ni comme ça. J'appuie vraiment avec les deuxièmes phalanges en fait. C'est un peu bizarre, je sais. Mais j'appuie quasiment avec les deuxièmes phalanges moi. Je sais pas si on voit, mais j'appuie quasiment en fait avec la deuxième phalange. Ici en fait. Là pour le coup, j'avais pas noté. Et tu voyais que c'était un bon joueur. Hein. Et j'avais même envie de quasiment taper un 8,5. Après on n'a pas vu de choses exceptionnelles, mais tu vois que c'est un bon joueur. Tu vois que le mec. Si je vous en parle comme je vous en parle, c'est que je sens que c'est un bon joueur. Je pense que là, il va terminer top scoreboard avant la fin de la partie, là, le ZX, là. Devant Mary, c'est sûr. Ah, je suis au top, elle est rentrée comme dans du beurre. Mary, chute. Tu me dis si tu contactes sur toi. De toute façon, je suis pas droné, donc ils savent pas que je suis là. La montagne sur site, montagne sur site, montagne sur site. Ça plante. Jardin. Je l'ai vu. T'es qui? Ibana. Moi j'ai bien joué la décale. Bien joué, Mr. Mary. La décale assez slow. Putain, il m'a attention, et il va arriver là. Non, elle est en divise. One tap avec l'as. Sograna STP. Ok, vous êtes tous sur Sograna. Et ben on va retourner sur Sograna. Sograna qui est sur le Hall of Fame. Vous voulez que je pète la trappe site ou pas, les gars? Non. Voilà, un morceau de bois qui va me faire chier, voilà. Regardez ça. Et lui, il va pas l'avoir, et là, je peux pas prendre cette ligne. The Mary se met toujours à cette fenêtre. Si tu te prends une tête, Sograna, si tu te prends une tête, je te jure, mon loulou, j'efface ton nom du Hall of Fame. T'inquiète pas. Si mérites-tu Sograna, alors que tu ne drones pas pour... Mais il y a un problème avec les drones, hein. Les gens n'aiment pas droner sur Rainbow Six. Mais les gars, les drones, c'est la vie, hein. Les gens sont pas bons parce qu'ils ont que du aim. Et The Mary, double kill. Et The Mary, triple kill. Potato, grave, c'était moche. Plus personne sur le Hall of Fame. On drone sur Rainbow Six. Si vous ne dronez pas, faut pas jouer à Rainbow Six, les gars. Allez jouer à Apex. Le droning, c'est la prise d'information. C'est ça qui fait la beauté du jeu. C'est ça qu'on aime. J'en ai marre des gens qui perdent leur drone en début de game trop facilement. Le problème, c'est toujours pareil. Vous voyez qu'il s'est fait casser son drone au moment où Mary a tiré dessus. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est comment t'as perdu ton drone en début de round. Vous voulez devenir bon sur Rainbow Six? Vous voulez devenir bon sur Rainbow Six? Je vais vous donner. Vous êtes silver, vous êtes en dessous de silver, vous êtes gold. Même pour certains, vous commencez à taper dans le platine et vous êtes en train de galérer. Écoutez ce conseil. C'est le meilleur des conseils au monde que je pourrais vous donner. Ça va vous faire passer d'un niveau auquel vous êtes à un niveau de ouf. À partir de demain, sur l'intégralité des ranquettes que vous allez effectuer, ne détourne pas le regard. Sur l'intégralité des ranquettes que vous allez effectuer, à partir de demain maintenant,
sur l'ensemble des maps, des ranked, etc. Vous allez choisir un spawn. Vous allez prendre votre drone. Et le seul truc que vous allez faire, c'est de prendre ce drone-là et de le ramener au spawn. Et en début de game, vous allez voir, vous allez découvrir une feature énorme de Rainbow Six. C'est qu'on n'est pas limité par le nombre de drones qu'on peut porter.